Et salut à tous, c'est Nemco, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World War II Rebuilder Cities from the Ages. C'est un jeu dans lequel on va s'occuper surtout de réparer, on va dire, les bâtiments, les villes, à cause de la Seconde Guerre mondiale. On a plein de choses, justement, à faire. Alors, bien que les combats terrestres aient évité votre patrie, la Grande-Bretagne, les bombardements nazis acharnés ont fait des ravages. Vous étiez trop jeune pour vous faire enrôler. Alors maintenant, après la guerre, vous décidez de quitter la maison familiale et de rejoindre la reconstruction du pays. My big brother, Gilbert, died at, as Churchill called it, the British Empire's finest hour. He was a Spitfire's pilot during the Battle of Britain. This sky-high fight, which lasted for months, seemed to herald the end of the kingdom. Our victory only limited the scale of German air raids, which were carried out only at night during the Blitz. The number of those killed was in the tens of thousands. From July of 1940 to June 1941, the possibility of bombing our home was part of the life of every citizen. And yet, a few years later, British troops took part in the campaign that finally liberated Europe from the Nazis. At the time, I was too young to enlist. The war took my brother from me, and I was refused to avenge him. However, I think history has imposed on me another duty of no less importance. A country ruined by war requires rebuilding. People are waiting for a roof over their heads, for jobs at factories, and for the end of starvation rations. So, from my family farm, I set out to help with rebuilding the country for the future of all of us. Voilà, alors c'était pour la cinématique du jeu, du moins on va dire sur le principe la cinématique du jeu. Alors, déplacez-vous en QWERTY, passez l'icône flottante pour le didacticiel, ok. Pourquoi on a encore un jeu qui bug à ce point-là? On va se mettre en faible hein, au niveau qualité graphique, je suis... Oula, peut-être pas. Mais ça rame du cul. Même là, dans le menu, ça rame. On va être quasiment à... Alors, sur quoi j'ai touché pour que ça me mette ça? Qu'est-ce qui se passe? Ok. J'ai des ressources dans les mains, d'accord. Journal. Tâche supplémentaire, tâche terminée. Ok, qu'est-ce que je fais? Mais arrêtez de m'afficher des trucs, je veux juste avancer pour l'instant. Ça c'est pour le métal, j'imagine. Ok, alors... Je suis perturbé que le jeu rame autant. Qu'est-ce que c'est ici? Mise en évidence, appuyez sur contrôle gauche. Contrôle gauche, ça montre tout ce qui peut être ramassé. Donc récolter avec F. Moi j'ai l'impression que le jeu il rame énormément. Alors je sais que graphiquement c'est pas trop ça. Donc, on peut stocker. Ça sert à rien, vos trucs de tutoriel sont pas placés au bon endroit. C'est plus énervant qu'autre chose, je trouve. Donc on ramasse les ressources avec F, on peut les stocker dans des espèces de zones de stockage pour ne pas avoir à se les récolter. Parce que tout simplement, ça prend de la place dans l'inventaire, on peut pas forcément tout avoir. Allez, on va se rapprocher du truc. Voilà. Alt gauche, en maintenant la molette pour choisir le truc. D'accord. Ok, je peux faire comme ça aussi. Prendre le marteau. Utiliser le chalumeau. D'accord, donc j'imagine que là c'est U. Utiliser le chalumeau découpeur pour coupe et insérer un nouveau avec du métal. Donc c'est pile poil au bon endroit qu'il faut que je coupe. D'accord. Et on va prendre du métal. Ok, c'est comme ça qu'on peut réparer 2-3 petites choses. On n'a rien d'autre à ramasser ici, non. Si, là, oui. Nettoyer l'ancien puits et reconstruisez-en un nouveau. Donc le marteau,
Il n'y a que deux gravats, d'accord. Eh ben, ça nous a pas. Ça les a pas étouffés en gravats. Hein. Et en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir tout rattraper à chaque fois. C'est qu'on va récupérer des ressources un petit peu à droite à gauche. Des fois en déconstruisant des choses, des fois tout simplement parce qu'on aura les ressources à disposition. Et on pourra les reconstruire en fait en prenant bah, chacune des ressources. Un coup de la pierre, un coup du bois, un coup du métal. J'ai plus assez de. J'ai pas assez de bois. Ah, j'avais peut-être plus assez de place sur moi pour récupérer le bois. Un recouvrement de toit. Comment on fait le recouvrement de toit? Acheter ou créer un toit. D'accord, on a un truc pour construire. Recouvrement du toit, ça nous coûte 125. On en a 150. Je sais pas ce que c'est. On en a craft 1. Et nickel. Toutes les tâches principales. Eh bah parfait. Non, bah non, je... Comment je fais? Comment je fais pour quitter de la zone une fois que c'est fini? Sortez. Nickel. J'imagine que c'était ça. Voilà. On a fini le didacticiel, maintenant on passe vraiment au premier endroit, c'est la gare ferroviaire de Gnimbert. Donc on va voir retirer ce qui a été détruit dessus à cause des bombardements pour la reconstruire. Oula... Qu'est-ce qui se passe sur la qualité? Pourquoi la qualité est encore plus moche que sur League Dacticiel? J'ai l'impression d'être sur... Pourquoi il y a un mec en... Il y a un fantôme? Oh, attendez, je peux pas être en 60 FPS alors que le tutoriel est en 40. Être en medium, avoir une qualité aussi dégueulasse? Pas possible. Voilà, là je suis en height. La qualité est toujours dégueulasse, c'est beaucoup trop mal. Regardez, je suis juste un tour sur moi-même, c'est foutu. Qu'est-ce qu'il me faut? Là, j'ai de quoi construire. Là, j'ai de quoi ramasser des trucs. Des briques. Alors, oui, on peut plus porter de bois. Par contre, on peut encore porter d'autres ressources si besoin. J'ai plus accès à mon contrôle gauche. Non. D'accord, il n'y a plus que ça. Plus de place. C'est pas grave. Alors... Dites-moi dans les commentaires si ce jeu vous plaît et n'hésitez surtout pas à liker la vidéo. Ça m'est très utile. J'ai tout fait, je pense, ici. Ah non, là, il y a des trucs à ramasser. D'accord. Donc, c'est des stocks de briques, justement. J'ai des cartons complets. Je peux sauter. Je peux sauter, mais pas assez haut. Ok. Ça, ça se ramasse. Ça, ça se ramasse pas. Et à quoi ça va me servir, tout ça? Réparer le mur, nettoyer la voie. Nettoyer quelle voie? Et je peux aller jusque là-bas? Ah oui, je peux aller jusque là-bas. Mais est-ce qu'ils se... Certains sont trop gros pour être soulevés. Il faut les casser à l'aide du marteau. D'accord. Toi, t'es pas trop gros. Toi non plus. Toi non plus. Chalumeau découpeur. Ok. Barrière de métal. Plus de place. J'ai plus de place. Je peux aller jusqu'à la station là-bas. Parce que de mémoire, c'est ici la suite. Pourquoi il y a encore un fantôme? Je suis le fantôme du passé. Vois comment cela se passait à l'époque. C'est terrifiant. Vraiment, c'est terrifiant. Appelez la centrale. On peut voir ce qui s'est passé? Ou on va voir ce qui s'est passé? Ah. Ouh, bah il y avait le feu au... Il y avait le feu au chariot. Il va exploser. Donc le chariot a explosé. Les gens sont encore en vie. C'est pas ça qui a dû détruire le tout. C'est pas grave. Par contre, je dois réparer ici avec les trucs qui sont... Ah non, ils se sont déplacés là. Bonjour. D'accord. Merci monsieur de m'avoir parlé. Je suis ravi. Je suis ravi qu'on ait pu discuter ensemble. Vraiment, ça m'a soulagé. Bon, au final, il y a pas mal de choses que je peux ramasser sans avoir à les péter. Ça m'arrange parce que c'est-à-dire que sinon, ça me coûtait beaucoup en ressources. Enfin, en aller-retour. Parce que oui, toutes les ressources vont être réutilisées après, hein, bien sûr. Même les feuilles, apparemment. Peut-être pas les feuilles. Peut-être moi qui exagère quand je parle des feuilles. Tout ce qui est métal, il y en a trop.
Pourquoi je garde un... Je garde des trucs alors j'ai plus rien sur moi. Marteau. Oh. Oh. Pou. Pou. Ping, ping, ping. Ping, ping, ping 2. Voilà, ping, ping, ping. On essaye de ramasser tout ce qu'on peut. Surtout de péter tout le truc. Peut-être ça le plus embêtant, c'est de réussir à tout casser. Parce que c'est pas trop praticable. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de magro. Soyez gentils. Voilà. Là, qu'est-ce qu'il faut? Là, il faut des briques, maintenant. Et des briques, pour le coup, j'en ai pas. Il me faut 5 briques. J'ai pas du tout 5 briques. J'ai plein de métal. Voilà. Là, les briques, c'est bon. Qu'est-ce qu'il va me falloir? Du marteau. Ok. Juste essayer de réparer tout ça. Je peux maintenant? J'ai que 2 briques. Ah oui, bah ça casse pas 3 briques à un corbeau non plus, hein. Bon. Mince, c'était pas la bonne touche, c'est l'inverse. Voilà, maintenant j'ai 100 briques sur moi. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est tout? Tout ce que je peux faire? Ou il faut peut-être que je pète le reste? Ah, c'est peut-être ça. On a pété tout le reste, qu'est-ce que je peux faire maintenant? En tout cas, ça fait très beau. J'aime beaucoup ce sol. Nettoyer la voie. Réparer le mur de la station 0 sur 2. D'accord. Pourquoi je peux plus avancer? Ok. S'il y a des trucs tombés. D'accord, je vais devoir couper ça aussi. C'est le chalumeau découpeur qu'il me faut. Yes, nickel. Pas besoin de m'embêter. Ça se découpe tout seul. Oui, bon, et tu vas me dire que là, c'est le petit truc là qui est embêtant? Sérieusement? Métal. Hop. On installe. On installe aussi. On saute. Et on saute. Voilà, ça s'est réparé. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire ici? Qu'est-ce qui me manque? C'était des briques aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, hein. Qu'est-ce que... J'ai fait exploser le truc. Là, il me faut des briques. On a réparé ce mur-là. Ah oui, on va devoir tout poser, là. Ok, ça, ça va peut-être être un peu moins rigolo. Un peu plus long, surtout. On va essayer de faire ça par zone. Parce que sinon, on n'arrivera plus à monter. Plus assez de briques. Et plus assez de briques, mon capitaine. Donnez-moi des briques. Donnez-moi plus de briques. Par contre, imaginons, j'ai toujours pas assez de briques et je dois retourner là-bas. Je fais comment? Pourquoi il n'y a pas de... C'est très bizarre cette façon de faire. Pourquoi je peux pas continuer à côté, tout simplement? Et éventuellement, après, passer à l'étage du dessus. Parce que c'est-à-dire que je dois passer de la gauche à la droite, à la gauche, à la droite, à la droite, à la gauche. C'est... Peut-être pas ce qu'il y a de plus pratique. Plus de briques. Plus de briques. Le dessus va être embêtant, à mon avis, à refaire. J'ai plus de briques là-dedans non plus. J'ai plus de briques là-dedans non plus. Bon, ça, c'était reconstruit déjà. Nickel. Toi, t'as des choses à me dire. Toi aussi, t'as des choses à me dire. Pas cette place. On va aller poser tout ce qu'on a. Voilà. Ça me perturbe de... Mais... Pourquoi ça n'a pas posé les débris? Merci. Ça me perturbe de toujours voir un truc qui est équipé dans ma main. Pourquoi je refais un escalier en bois? Pourquoi pas tout simplement un escalier en métal? Ça serait pas plus intéressant? J'ai déjà plus le bois. Allez, il me faut du bois. Et le bois, je peux en porter 4 bouts d'un coup, quoi. Je peux poser, je peux porter 100 briques. Truc qui doit coûter une tonne. Oh. Terminer d'autres actions. À mon avis, c'est tout ça que je dois terminer d'abord. Oui, bon, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, le jeu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait, le jeu? Ah, hop. Tout est propre. Tout est propre. Ça, je dois, soit je dois le nettoyer ou pas. Je sais pas si je dois tout nettoyer.
Ah si, peut-être. Si, ça fait peut-être partie des trucs... Oula, 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 oula. Monsieur le jeu, on lag. Monsieur le jeu, on lag. Que se passe-t-il, monsieur le jeu? Respirez, monsieur le jeu. Tout va bien se passer. Voilà. Vous avez réussi à ramasser 3 rondins de bois. Nous sommes fiers de vous. Est-ce que je dois nettoyer tout le mur? Ça sert à quoi? Parce qu'à aucun moment, j'ai vu un truc où c'était écrit « Nettoyer le mur ». Ah bah si, je récupère une tâche. D'accord. Bon, et moi, la ville, elle est propre. Hein. Il n'y a pas de machin. Je nettoie la ville ou je la nettoie pas. Du bois. Pareil, combien que j'aurais vite passé de bois? Ok, j'ai rien dit. Tout ça, c'est bon. C'est bon. Qu'est-ce qui... J'entends un truc sonner. La catastrophe de Soham. Oh, en plus, il y a du... Il y a du lore derrière, quoi. 2 morts et un nombre de blessés. Le terrible accident qui a eu lieu hier aux environs de 1h45 de l'après-midi dans la petite ville de Soham, à l'est de Cambridgeshire. Un train de transport lourd qui contenait 44 wagons pour un poids total de 400 tonnes de bombes et Bref, ok, il y a le train qui a explosé, il y a eu beaucoup de gens qui ont réussi à s'échapper, mais en tout cas, ça... Le téléphone sonne. Quel téléphone? Allô? Allô? J'ai fait utiliser. Oh non, c'est terrifiant, ça. Oh, c'est horrible. Horrible. Donc à mon avis, il ne devait pas y avoir de civils à la base. Hein. Ils n'ont pas trop respecté les consignes de sécurité. Ils en ont profité. Ils se sont dit, bon, on va profiter. Hein, ça va nous faire un train pour 2 trucs. Et au final, bah, y a des civils qui étaient là alors que c'était un transport militaire. Et c'est pour ça qu'il y a eu autant de blessés et qu'il y a eu 2 morts. Enfin, les 2 morts peut-être pas, mais qu'il y a eu autant de blessés, c'est ça qui en a fait une catastrophe. C'est toujours ça, on essaye de couper les coups, on respecte pas les procédures, c'est comme ça que ça finit. Malheureusement, il n'y a pas de mystère. Bon. Ce mur, il va être long, hein. J'espère qu'à un moment, on aura une façon un peu plus optimale de le faire. Parce que certes, je comprends le côté autistiquement joyeux que nous avons à réparer ce genre de choses, et à le faire doucement, à la main, le tout. Mais vous voyez la hauteur du truc? Je vais certainement devoir aller tout en haut. Là, ça va être des fenêtres, à mon avis. Ça va être long. Et chiant. Faire des trucs chiants, ça me dérange pas, en temps normal. Déjà, quand mes FPS ne se font pas la malle sans raison. Mais si en plus, il n'y a pas de raison à ce que ce soit aussi long, je comprends pas. Là, c'est bon, là, il n'y a rien à faire. Je vais faire un petit peu de place autour aussi. Ça me permet de récupérer des briques. Bang, bang. Ah non, vous portez plus de bois, là. Non, 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 vous portez 3 rondins de bois. Allez chercher plutôt des briques. 5 kilos de briques, si vous pouvez. Hein? Soyez gentils. Non, 5 kilos de briques, je vous ai dit. Oui. Alors oui, alors quand j'ai 5 kilos de briques, en fait, c'est 100 briques. Donc c'est 150 kilos de briques. Non, ça, vous pouvez les porter à une main. 3 rondins de bois? Non, monsieur, 3 rondins de bois, c'est beaucoup trop. Vous avez déjà vu quelqu'un porter 3 rondins de bois? Moi, jamais. Comment ça, vous y arrivez? Mais non, monsieur, personne ne peut. Puisque je vous le dis, c'est mon métier quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. Oup. Oup. Alors, ça pourrait se spammer comme ça si le jeu décidait de pas laguer. Vraiment, je suis frustré parce que j'arrive à faire tourner des jeux qui sont 1000 fois plus beaux, 1000 fois plus galères, mais je pense que chaque item doit être calculé. J'ai même plus assez de briques. Il doit être calculé par lui-même, c'est ce qui rend la chose compliquée. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est bien que vous soyez venu, le reste des employés est à l'hôpital. Bah cool. Bah
Faites-moi travailler à la place du reste des employés qui ont décidé de pas venir, oui, vous avez raison. Je dirais que moi, c'est mon métier. Bon, ok, c'est moi qui ai décidé de le faire. Parce que mon frère est mort, que je voulais qu'il soit fier de moi, blablabla, blablabla. Par contre, moi, ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y aura pas cette brique. Construction site. Ah oui. Alors ça, pareil, il faut tout déblayer. Une fois qu'on aura tout déblayé, on pourra construire un objet. Ce sera à nous de décider ce qu'on veut. Et on peut pas se tromper. Est-ce que je peux déjà le faire ou je suis obligé de tout déblayer d'abord? Commencer la construction. Soit je construis ça, soit je construis ça. Ou soit je construis ça. Oh, bah moi, je vais construire ça, oui. Allez, on construit ça. Hop. Qu'est-ce qu'il faut? 6 briques. 6 briques, plein de métal. Plein de métal, 6 briques. Plein de métal, 6 briques. Enfin, j'imagine. Je sais pas ce qui se passe. Je peux pas passer à travers les murs. C'est très, très perturbant. Personne ne... Ni. Ok, ok, le jeu. Ok. Tu veux m'énerver, le jeu? Tu veux m'énerver? Je vais t'énerver aussi, moi, tu vois. On va s'énerver tous les deux, hein. Regarde, bam! Ton truc là, qu'est-ce qui fait mal? Il est au sol. Il est au sol, ton truc. Toi aussi, il est au sol. Je peux déjà plus récupérer les trucs. J'ai récupéré deux trucs, quoi, s'il vous plaît. À un moment, soyez pas insultant non plus. Comment voulez-vous qu'on puisse avancer si on peut pas récupérer plus d'un truc à la fois? Vraiment, le jeu a de bons principes, mais c'est trop tryhard sans aucune raison. Quoi. Ça me dérange pas de galérer, mais là, galérer juste à faire des allers-retours. Parce que je récupère deux morceaux de métal, c'est fini. Ou deux briques. Ou deux morceaux de bois. Là, c'est une construction qui est posée, je peux même pas passer au travers. Je suis déjà plein. Je suis déjà plein. Voilà, je peux récupérer de 20 de bois. Je peux pas sauter où je veux, apparemment. Je peux récupérer plus rien en fer, déjà. C'est déjà fini. Ah oui, sinon c'est pas drôle. Et j'ai encore que du fer à récupérer. Nickel. Nickel, monsieur, nickel. Et je sais toujours pas comment je peux finir la construction. Je sais pas ce qui lui manque. Vraiment, il veut pas me dire. Mais dis-moi ce qui te manque, mon grand. N'aie pas peur, n'aie pas honte, je suis là pour ça. Parce que j'ai déjà une partie qui est construite, l'autre elle est pas construite. Et comme je peux en ramasser que 4 d'un coup, bah, je gère pas grand chose. Allez, 1, 2, 3, 4. Ah oui, bien sûr, il en reste un. Il en reste un bridou. Et on peut rien en faire. J'imagine que lui risque de me bloquer pour construire aussi. Ça, je peux toujours pas. Est-ce que c'est parce qu'il reste lui? Non. On va voir. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il faut peut-être pas que je... Que j'ai quelque chose dans les mains? Enfin, faut peut-être pas que j'ai le marteau. Ah oui. Faut pas que j'ai le marteau. J'ai plus de métal. Je viens d'en ramasser, mais j'ai plus de métal. T'es de ma gueule. J'ai 10 de métal. Terminer d'autres actions. Terminer quoi d'autre comme action? Il faut peut-être des briques. Je sais pas. On va tout prendre. On va prendre dans chaque truc. On va regarder si c'est ça qu'il faut. Peut-être ici, il faut que je fasse en premier. Métal. Métal, c'est bon. Ok. Toujours pas de métal. Briques, peut-être. Ah, briques. Briques ici aussi. Pas assez de briques. Plus de briques. Il nous faut construire plus de briques au rat. Je sais pas où c'est qu'il y a plus de briques par contre. Est-ce que quelqu'un aurait vu les briques, s'il vous plaît? Mettez en commentaire où sont les briques. Je sais pas. Je peux rentrer là-dedans? Je peux pas rentrer là-dedans. Il doit bien y avoir des briques quelque part. Faut que je les achète peut-être quelque part. Ce serait ridicule. Ça, c'est quoi? Si c'est des briques. Putain, c'est des briques.
Sérieusement. Ça servait à quoi de faire une réserve de briques comme ça, les gars? S'il vous plaît. C'est quoi l'intérêt? Hormis me faire galérer comme un rat? J'ai rien contre les rats. Mais t'es mal à leur taille, quand même. Je crois que j'ai fait... j'ai fait zéro somme... des briques. Je sais pas comment j'ai fait. Ça, c'est un talent, vous voyez, que... que seuls les grands maîtres Bushido peuvent faire. Ah, il faut du bois. Pourquoi du bois ici? D'accord, je peux poser les fenêtres sans poser le bas. Donc là, il faut du bois aussi. Là, je sais pas ce qu'il faut. Là, il faut du bois. Monsieur le jeu, vous partez en couille. Hein. Je veux pas vous faire du mal, hein, monsieur le jeu, mais vous partez en couille. Ah, par contre, à droite, j'avais pas fait gaffe, mais ça nous met combien il reste dans les stockages. Bonne nouvelle. Bonne idée. Je peux poser mon métal maintenant. Je peux poser le métal. Ça suffira pas, parce que c'est 8 de métal par truc. Donc c'est pas drôle. La logique, ils s'en battent les couilles. Hop. On peut aller en rechercher un, juste pour deux trucs. Saute. 1, 2. Ça, je sais toujours pas ce que je dois en faire. Ok. Là, c'est des briques. Ah, bah, ça a bugué, mais ça suffit. Le sol ne pourra pas être fait. C'est pas grave. En tout cas, on a réussi à construire ça, hein, même si le sol restera à vie, comme ça. Ça, il n'y a rien à ramasser, ça me perturbe. Mais apparemment, non. Ah, là, je crois qu'il y a un autre truc à nettoyer. Youp, nickel. Il n'y a pas d'autres murs qui se nettoient, de sol, quoi que ce soit. Non. Ça se détruit au chalumeau. Ça se détruit où? Ou comment? Ça se récolte. Ah non, ça se détruit au marteau, pardon. Non? Chalumeau. Ici, d'accord. D'accord, et c'est chacune des zones qu'il faut réussir à faire de la bonne couleur. Ok. Ouh, la chaleur. Dès la chaleur. Hop. Plus à cette place. Il faut tout poser. Je pose. Et je lag. Qu'est-ce que j'ai en U? Ça, c'est les tâches secondaires. Réparer les gouttières, trouver la bombe. D'accord, tout à fait rassurant. Nettoyer le voisinage, décorer le quartier. Ok. Objectifs principaux. Ah, déjà plus de place. Déjà plus de place. Il y a beaucoup de débris quand même. Hein. Je sais, on croirait qu'il y a une bombe qui a explosé. Tellement il y a de débris. Vous trouvez pas? Bah, je trouve que si. Hein. C'est édifiant. C'est édifiant à quel point on dirait que tout a explosé, quoi. Tout est ravagé. Regardez-moi ça, il y a même des roues carrément qui sont encore ici. Qu'est-ce qui lui est arrivé au wagon? Je comprends pas. Hein. Je comprends pas du tout ce qui se passe. Hein. La SNCF de nos jours, elle déconne. Hein. Qu'est-ce qui reste? J'ai retiré normalement ici. Ou c'est sur toute la voie qu'il est en train de me dire qu'il y a un truc? Ça, c'est quasiment bon. Ça va, les débris, on a beaucoup de place et il n'y en a pas beaucoup à chaque fois. Lui aussi, il va falloir le faire fondre à mon avis. Voilà, hop. Et là, tu fous un coup et c'est l'endroit où t'as la bombe, tu sais, qui a explosé. Les rails, je peux pas les réparer. Si, apparemment, je dois pouvoir les réparer. Ou au moins les retirer, je pense. Vu que c'est écrit retirer les rails endommagés. J'imagine que c'est pour ça. Bon. Au moins, ça c'est bon. Ça c'est déjà retiré. Là, qu'est-ce qu'il faut? Chalumeau. Ok. J'ai plus de place de métal. Presque.
En tout cas, c'est bien parce qu'il y a vraiment une physique du truc qui se casse la gueule parce qu'on l'a découpé. Et ça, je trouve ça pas mal. Par contre, j'aimerais bien savoir pourquoi il me dit que lui, il est toujours pas fini. Il va y avoir quelque chose, peut-être au fond. Ah, il n'y a rien. Il suffit de dire que j'ai pas fini ici. Je vois pas. C'est vrai que je peux penser à faire ça aussi. Je sais pas. Je sais pas, mais il y a un truc qui lui fait dire que j'y suis pas encore. J'ai déjà plus de place. Je viens de le poser, le métal. C'est un petit peu exagéré, quand même. Avec 15 de métal par truc. Ah bah, j'ai plus de gravat non plus. Donc on va poser notre métal, récupérer le gravat. Poser notre métal, récupérer le gravat. Poser notre métal, récupérer le gravat. Voilà. Et ici, par contre, pour moi, tout est bon. La place. Ah oui, d'accord, c'est 5 de gravat par truc. Quoi. Tu peux exagérer, non? Ah bah oui. Puis maintenant, j'ai besoin du métal. Vous pouvez pas me le dire plus tôt, avant que j'aille tout poser. Ah oui, maintenant, il n'y a plus de métal. Ah, il n'y a plus de métal, comment t'as fait? Bah, ça se fait que c'est toi qui m'as demandé d'aller tous le poser, hein? En tout cas, on est le dessoudeur de l'année, apparemment. Vu notre efficacité à dessouder des trucs. On a récupéré tout le métal qu'on pouvait ici. Bon bah tant pis, on va faire des allers-retours pour rien. J'aime bien comme la poubelle, c'est un de métal, quoi. Il y a des trucs, tu mets un coup, c'est 90 de métal, tu sais pas pourquoi. Mais là, non, c'est un de métal, la poubelle. Mais monsieur, la poubelle, elle fait la taille du... Elle est plus grande que le rail. C'est un de métal, j'ai dit. Monsieur. Monsieur le Président. Ce que vous dites, ça ne veut rien dire. C'est moi le Président. Voilà. Bon, ça aurait été bien qu'on le sache quand même avant de tout démonter. Parce que là, j'ai un peu l'impression de faire des allers-retours pour que dalle. C'est pas qu'une impression. C'est que chaque fois que je pose un rail, aller-retour, aller-retour, aller-retour. Allez, retour. Pout, pout. Après, là, c'est le premier truc qu'on rattrape. C'est la gare. J'aimerais bien peut-être voir sur d'autres choses ce que ça donne. Malheureusement, je peux pas vous le montrer sans le finir parce que la gare est assez longue. Surtout les murs à réparer. Et quand vous voyez déjà les allers-retours inutiles qu'on fait là, j'ai même pas fini hein, parce que je vais devoir réparer le toit après. Là, on aura réparé un mur, mais il y a deux murs à réparer. Les nouvelles voies, c'est quasiment bon. Donc, on n'a plus que les murs. On n'a plus que les murs avec les briques. Ça, on est bon. On va essayer de quand même finir. Juste finir les objectifs principaux, le reste, tant pis. Mais c'est surtout que je puisse vous montrer, en fait, peut-être la suite. Je sais pas si elle est disponible dans la démo, je crois pas. Non mais abusez aussi, faites-le encore plus haut votre truc. Ah, à mon avis on commence à arriver au bout. On commence à arriver au bout parce que maintenant on peut le faire d'une traite. On est reparti sur un truc complet, on a dû finir les fenêtres. Tant qu'on reste à proximité, j'ai pas besoin de recliquer. Beaucoup plus rapide. Voilà, ça devient compliqué là. Là, ça devient compliqué. Encore un ? Ouh. J'ai plus de place. J'ai plus de briques. S'il vous plaît, donnez-moi des briques. Vous avez d'autres choses ? Non, plus rien d'autre. Dis-moi que c'est les deux derniers. Les trois derniers, yes. Comment on fait ça? Spatule. Comment ça marche? Je sais même pas ce que... Je sais même pas ce que je suis en train de faire là. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Hop. On va essayer de faire ça proprement. Je sais pas ce qu'on va poser dessus. Je sais pas ce que je fais. Peut-être une explication pour être sympathique. C'est quoi? C'est du crépi que je pose? C'est de la colle?
Pourquoi mettre de la colle au-dessus? Je vois pas l'intérêt. Peut-être la mettre en dessous, non? Parce qu'il m'a pas demandé de prendre la spatule pour... Regardez-moi ça, là, je peux en mettre au-dessus des fenêtres. Ce qui n'a aucune logique. Ah, ok. Bon. Le jeu a décidé. Non, en gros, t'es trop lent. T'es trop lent, on va le poser nous, parce que les gens, ils en ont marre, ils veulent passer à autre chose. Ok. Ah, le mur est réparé. Amélioration. Ah, je... Oh. Mais, pour que j'ai des points d'expérience, on me le dit pas. Beaucoup, beaucoup trop de choses dans les points d'expérience, à mon goût. Alors, décoration. Outils. Base de l'échafaudage. Acheter. Et finition du toit. Créer. Voilà. Nickel. Il me faut par contre un échafaud. Comment ça se pose? Je suis pas un peu trop loin. Hein. J'ai horreur des trucs qui se posent comme ça. Mais en sainteté. Ok. Peut-être un. Non. Comment je fais ça? D'accord, faut que je le pète d'abord. Ah, j'ai plus de bois. Il me faut du bois. Ah non, ma mère! Moi, j'ai réparé quelques gouttières déjà, ça me rassure. Me dis pas que ça me coûte beaucoup de bois. Non, ça va, 2 de bois pour chaque truc. J'espère que je vais pas rester enfermé, comme dans Builder Simulator. Mais non, laisse-moi tranquille. Plus de bois? Bah oui. Si ça avait suffi en bois d'un coup, je me serais dit à quelque chose de louche. Ce jeu fait en sorte que nous fassions des allers-retours systématiquement. Vas-y. Laissez-moi tranquille. Peut-être à ça qu'elle servait l'échelle en fait. Je peux monter tout droit ou... Voilà. Hop. 1 et 2. Là, je sors. Maintenant, les poteaux du milieu. Non! Ça saoule! Tu saoules! Mais, monte juste à l'échelle. Faut que j'arrête de vouloir gagner du temps sur ce jeu, ça marche pas. Hop. De toute façon, je vais devoir faire un aller-retour. Il me reste encore du bois. Il me reste encore un petit peu. Pourquoi je peux juste pas le mettre tout de suite, ça, en même temps, tant que je suis dessus? À tous les coups, je vais me retrouver enfermé dedans. Voilà, plus de bois. Il peut pas me demander de tout poser en même temps, non. Surtout qu'il y a aucune logique, je trouve. Parce que la charpente de base, je pouvais la poser. Qu'est-ce qui m'empêchait de poser toutes les planches d'un coup? Enfin, de poser toutes celles-là en même temps. Que celles-là, je puisse pas les poser tout de suite, je veux bien. Le temps que le reste soit fermé, mais viens pas me dire que le reste, je pouvais pas le poser en même temps. C'est bizarre, ton truc. Je peux plus passer, si je peux encore. Nickel. J'arrive encore. J'arrive. Vas-y. Vas-y, ça m'en fout. Ça m'en fout, j'ai plus de bois en plus. Vraiment... Ce qui pourrait être bien à la rigueur, c'est qu'il rajoute juste peut-être une option de pouvoir te faire une petite pile de matériaux. Genre pouvoir poser 2-3 bûches ici, quitte à ce que tu puisses plus passer parce que ça t'embête. Ça, par contre, c'est bien. Ouais, à mon avis, ils ont trop modélisé, ils ont essayé de trop faire de détails, ça passe pas. Installer un toit, installer un deuxième toit et installer la finition. Appeler la centrale. Eh ben, on a fini avec la partie principale. Moi, c'est ce qui m'intéressait pour celle-ci. Et on termine la mission. Ça, c'était l'avant, hein. Qui est quand même en 60 fps. On n'a pas l'impression, mais c'est du 60 fps. Ça lag au niveau de la cinématique, à nous. Et le après, avec l'échafaud qui est toujours là. Le mec, il n'a même pas fini de ramasser. C'est encore une explosion là-bas au niveau du tunnel. Mais j'ai fini. Alors, c'était la fin de la démo. Donc on pourra pas voir la suite si on a peut-être des choses qui sont beaucoup plus intéressantes à faire. Alors après il y a le prologue de l'Allemagne à voir, ça nous donnera peut-être d'autres idées.
Ce qui m'embête un peu, c'est avec l'éditeur du jeu, quand vous le lancez, en fait, ça vous montre. C'est pas Magnetic Games, c'est eux qui ont développé le jeu. Mais pour l'éditeur, il y a plein de jeux qui sont en cours, qui sont en cours de démo, qui sont machin. Il y a de plus en plus de studios, j'ai l'impression, qui, sur le type de jeu, en tout cas, donc je fais des démos, qui font ça. Et j'ai l'impression que c'est des jeux qui sortiront peut-être jamais en version finale. Ou vraiment finale, ça va être des alphas qui vont sortir à 19-20 euros. Que les gens vont acheter parce que bah, y aura 2-3 choses à faire. Et quand on compare par exemple à Planet Crafter, qui est sorti en démo, où ils ont sorti une version prologue, comme pas mal de jeux font actuellement, où le jeu est quasiment full dessus, on peut aller très loin dedans. Il y a 40% du jeu qui était dispo, du jeu final, gratuitement et pendant plusieurs mois. Alors là, il va bientôt sortir, je reprendrai le let's play dessus à ce moment-là. Mais c'est vrai que comparé à ça, je trouve que là, on tombe un petit peu des nues, comme on dit. En tout cas, sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine et ciao, ciao tout le monde.